Les métronidazoles ou les nitro-imidazolés occupent une place importante dans le traitement des infections anaérobiques et les infections fongiques. Donc, il est utilisé surtout dans le cas où on a des collections purulentes, comme le cas dans les abcès et les cellulites purulentes. Le spectre de ces antibiotiques concerne exclusivement des bactéries anaérobies strictes. La molécule généralement utilisée parmi cette famille est le flagyl, qui est la dénomination commerciale de cette molécule. Le flagyl existe sous plusieurs formes et en différentes doses. Il se trouve sous forme des comprimés ou des gélules de 500 mg et de 250 mg pour l'adulte et pour l'enfant aussi, ou sous forme d'une solution buvable en sirop de 125 mg par 5 ml. La prescription de ce médicament doit être évitée pour la femme allaitante parce que cette molécule passe dans le lait maternel. Et par contre, cette molécule peut être prescrite pendant la grossesse si besoin. Le flagyl, il est aussi soit déconseillé dans certains cas, soit contre-indiqué avec les patients pour les patients qui prennent des antivitamines K parce que il a un risque d'interaction avec ces médicaments en augmentant l'INR, donc en augmentant le risque hémorragique.